Pau! Mate le collier, ma gueule. Ouais, mate les colliers. Ça braille. Attends, avec les. Ouais. Bon, les gars, c'est le retour. Bon, en tout cas, pour la fois que tu le retour sur YouTube, je sais pas. Mais là, vous allez avoir la vidéo de la Fight Week. On ne l'a pas fait au dernier UFC Paris, non, vous faites. Je vais signer sur qui? No faces. Yeah, oui. I don't want to fight me. La longue signature. Moi aussi, je peux rapide que lui. Faut que je leur montre l'épaisseur là, carrément. Là, il en reste encore. Je suis exploité, les gars. Je suis exploité comme never. J'ai mal au poignet. Non, en vrai, j'aime bien. J'aime bien la sensation. Là, j'ai un fait qu'il marche bien vu que je suis arrivé dans les premiers. C'est-à-dire, ça glisse dessus. Ça glisse de fou. Là, d'habitude, quand j'arrive, il marche plus les stylos. Les gars, regarde, montre-leur. Eh, regardez, les gars. The Last. Ouais, il y a des gens qui payent pour ça, se trouve, il y en a un du, il va l'acheter. Au moins la signature elle est jolie. C'est ça. How does it feel to be here and just back in a fight week? I'm always happy to fight, so yeah, it's really, I'm really excited. And it's in Paris, so I'm in my hometown, so it's double excited. Là il y a un casque, mais c'est pas n'importe quel casque. En fait c'est le casque du dieu de la guerre. Ouais. Non, c'est pas des gladiateurs, c'est le casque de Arès, le dieu de la guerre. Ah, okay. C'est en mode, tu vois, l'avatar. Il a niqué le dieu de la guerre parce que on est des combattants. Du coup c'est l'aspirate. Ah, okay. Tu vois, là, en gros il revient d'une quête avec son butin, tu vois. Dans sa main il a le casque du dieu de la guerre. Ah, ouais, et maintenant c'est en mode vas-y, on va aller niquer d'autres gens. Okay, ouais. Ça brille en tout cas. C'est méchant, ça brille, c'est ice. Mais non, il y a une petite histoire dessus. Il y a une petite histoire, tu vois, il y a une petite recherche. Bah. Ensuite ça arrive. C'est-à-dire que faut pas que ça se passe là-bas, il faut pas divulguer la date. Carrément, tu vois, je sens ça rentre dans mon corps là. Petit croc par petit croc. En vrai là tu me donnes n'importe quoi avec du sucre. Je serai le même affaire. J'ai l'impression qu'on m'a donné de la cocaïne. Du coup. Tes yeux ils ont fait chier. Ouais. Je serai à 60. Ouais. C'est 65-8 toi aussi. Non, 76-3, 65-8, c'est champion de chip. Ah, d'accord. Ouais, okay. Jusqu'à 76-3, en fait. Ouais. Vous avez vu un médecin aujourd'ou pas du tout? Non. Pas encore. T'as dû te donner ton poids? Ils t'ont demandé ton poids? Ouais, il y a Adam, elle est là. Regarde, les gars. Il est en 2D. Il est en 2D, Taylor, regardez. Vas-y. Regardez, il a fait quoi sur son vélo? C'est quoi ça? C'est pour faire du bruit quand il va lancer. Tu vas faire quoi là, frérot? C'est l'heure du petit contrôle du poids. Bon là en vrai je suis en full, je suis en train de boire de fou donc c'est pas exact. Mais au moins ça me permet de me situer sur la journée, de savoir ce que j'ai cramé. Après en vrai je vais me reposer demain matin mais là c'est psychologique. 78. Je sais pas que je faisais ce matin. Ça a pas bougé? Ça veut dire que c'est carré. C'est carré? Ah, ça veut dire ouais. Je fais le poids que je faisais ce matin, mais avec en fin de journée, j'ai bu de baisers et tout. Oh, demain, il y a une bonne nouvelle qui s'annonce demain gars. Matin. C'est pas mal ça. Ah, c'est carré. Demain matin, je vois bien, hein, genre, allez, je suis gentil avec WAM, 72-2. Fin de journée bien méritée, là, je suis fatigué. J'ai juste envie de me poser, manger, enfin manger. Mettre un truc dans mon corps là vite fait et me poser tranquille. Mais faut encore que je prépare le drop là. Faut que j'envoie les pics pour faire le site. En exclusivité. Charriero. Charrière ma gueule. Last year, your was red. Yeah, exactly. J'instaure un nouveau flow là. Short. Paire de Doc Martens. Que je récupère le stuff. Je me fous le stack. Et c'est parti, on mange. Hop. Trop tac, petit. Tu deviens Morgan Charrière. Je deviens Morgan Charrière.
Personne n'a de preuve de ça. Non, la veste, franchement. Les gars. Hey, c'est un des trucs, je crois, que je suis le plus fier d'avoir créé. C'est une franchement, dingue. C'est une folie. Attends, je monte un peu le tour. Mais regardez, les gars. Faut filmer. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire qu'il y avait de l'eau si jamais vous avez soif, les frères. Ah, merci, frérot. Ouais. Merci, mon frérot. Qu'est-ce que le public peut s'attendre pour un type de combat comme d'habitude? Quelque chose d'explosif? Est-ce que tu vises un bonus, un finish, quelque chose en particulier? La question est large, je te laisse en parler. Je suis très content déjà de recombattre sur le UFC Paris encore une fois. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu que l'adversaire il avait pull out et que peut-être j'allais avoir quelques problèmes pour me trouver un adversaire et que j'allais pas être sur la carte. Au final, ça s'est bien cantonné tout ça et j'ai un adversaire. Et au niveau de la performance, en tout cas, j'espère réussir à réitérer ou au moins à faire un très très beau combat. En tout cas, on est confiant, c'est super bien entraîné. C'était quoi ça, Morgan, en gros ? Conférence de presse pour tous les médias en même temps. Mm-hmm. Et voilà. C'est c'est pour qu'il transpire ça. Je suis pas convaincu à 100% de l'utilité de la crème depuis des années, mais on traduit traditionnellement. C'est comme ça. C'est la tradition. Faut pas se porter le malheur, tu vois. Ouais, parce que si tu le fais pas, tu vas te dire. Et si je l'avais fait? T'as capté? Si tu ne perds pas le poids, tu te dis ah, c'est parce que j'ai pas mis la crème. Ouais. Le principe, c'est de. Ça ouvre les portes. C'est ouvrir les portes de la peau. Et je revis. Ouais. Sérieux? Je te jure. Ça change tout? Mais ça change tout. Putain, on rentre dans la. Tu sais, c'est dégoûtant. Non, mais ça écœure en fait. Ah, c'est sûr, au bout d'un moment, ça t'écœure. On peut plus. Dédicace à tous mes geeks. Ensemble. Tu vois Walp quand même. Je suis, ça sera sûr. Ouais. 67, 800. J'ai plusieurs types de glaçons pour vous, monsieur. Du glaçon d'Everest, du glaçon du Mont Blanc. Tiens. Arthur et BG, tiens. Ouh, c'est du sérieux. Ouh, et glaçon de l'Everest. Merci, Inox. Merci, Inox. Ouais, Mike G. Ouh, les jacuzzi. Saha, quoi, le boulevard. Ouais, ouais, ouais. Intense, hein. Normalement, c'est à ce moment-là où je dis quel sport de merde. J'ai éternué. Et boum, ça se passe même. T'as été moins creusé que d'habitude et tout ça, mais t'as eu plus de symptômes. Wow. Quel plaisir. Quelle grâce. J'ai pas dit que j'ai réglé tous les problèmes non plus. Non, là, ça va atteindre, mais j'en ai aussi sur la gueule. C'est pas normal ça. Ça, c'est pas carré. Je voulais pas avoir la tête rose. C'est que la crème, ça fait partir les colorants, bon. Je crois. Hein? Je dis, je crois. Bah, les gars, là, quand vous voyez cette vidéo, je pouvais pas vous laisser sans la teinture rose. Okay. Mais au début, j'en étais parti pour. Puis après, mieux réflexion, je me suis dit, fallait que je fasse kiffer de mettre. Ça marche ton idée? Bah, bof, hein, mais tu vas te laver, c'est bien. Bien de se laver aussi. Ils ont dit, faut garder combien de temps? Je sais pas. Je sais pas, il a même pas lu la boîte. Ah, c'est pas ce qu'il fait là. T'as lu un peu? Ah ouais, j'ai lu, ouais. Il a pas lu, ouais. Bon bah, c'est la décision. Hein. Ça veut dire quoi ça? J'en sais rien, il y a un market particulier, je crois. Ah, vous avez les coulisses pour de vrai, comme ça, vous savez. Genre, quand j'arrive sur la scène, c'est stylé, mais en vrai, j'étais comme à se faire la toilette. Alors je dois être en train de grailler là normalement. Non, vous savez pas, j'ai un saumon qui m'attend avec du riz. Normalement ça dure 6 shampoings, elle avait dit 15 minutes. Non, 20 shampoings. 20 shampoings. 20 De toute façon je me lave plus. Ouais, ça y est, c'est fini. C'est fini. Mettez des couleurs dans les commentaires. Mais en vrai je crois rose.
ça va vite. Je crois qu'il n'y a pas mieux, les gars. Il y a un bleu blanc rouge, un bleu blanc rouge, ce serait méchant. Non, c'est abusé. Ouais, ce serait too much. C'est too much, exactement. Has been. Sauf si on te le fait, mais genre en mode, genre que sur ton côté que, aussi. Ouais, non, que genre que là, ça, ouais, bleu, blanc, rouge, ouais, exactement. Ah oui, non, sur la dread carrément, chaque dread. Chaque dread, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, ah ça. Là, on parle. Mais ça demande de la technique. Je change de team. Là, on parle. Tu veux le faire, Alex? Ça fait vraiment pire. Eh, mais vraiment. Je vais arriver comme ça à la pesée. Nien, ça va pas marquer. The solution. Ça, c'est le son de ma voix. De quoi? Non, c'est le son de ta voix fait dans ma tête quand tu me casses les couilles comme là. Bah écoutez, après mon CAP coiffure, effectivement, j'ai fait un CAP. On aura galerie. Décoration, elle doit être de bonne humeur. Un peu d'hygiène. Ça a l'air pas ouf comme ça en vrai. Y'a rien de mieux dans la vie. Tu manges quoi? Riz saumon. Ah, trop bien. T'as choisi quoi toi? Je crois que j'ai un peu comme toi. Ah, t'as pas les ischios de la prépa là par contre, hein? Attends, tu vas voir demain si. Ouais, mais là, je les vois, ils sont timides là. Parce que moi, je les ai vus, ils étaient moins timides que ça. T'inquiète pas, s'il y a bien un truc qui va revenir pour moi encore, c'est ces cuissons. Ouais. Déjà là, ça a doublé de volume par rapport à ce qu'on t'en fait. J'ai encore pour deux questions. Watch out, Paris! Le pirate va faire le boulot demain, le sale boulot, le finish. En face du squelette, enfin, comme ça on a un plan. Comment vas-tu? Franchement, ça va. Hein. Il y a le drop qui est sorti. Ah oui! Il y a le drop qui est sorti hier soir. Donc j'espère qu'au moment où vous voyez cette vidéo, il en reste. Il y a moyen. Je pense que ça dépendra de ce que je vais lui faire ce soir. Sinon, il n'y en aura plus. Mais ouais, les sinon, gars. Ouais, sinon, ça va. Hein. Franchement. Là on est bien, petite marche, j'ai mangé, j'ai bu, après je vais faire une petite sieste, là on va s'entraîner. Et après c'est l'heure. Et c'est parti après. Pire que de ranger ses affaires après un combat. Elle est là, elle est méchante. La vous allez voir cette veste, premier rang les gars. Après va sauter. Et après va sauter. Comme il sera tout nu après. Elle serait tout nu. Parce que monsieur, il va faire du sale. Aïe aïe aïe. Flo, le flow, toujours le flow, le flow, le flow. Ça va? Attends. I'm playing basketball. Bon, oh, John, I'm Timon qui Miranda puisse faire la différence dans ses frappes. Est-ce que là, quand je pars, vous pouvez me chanter la Marseillaise pour que je kiffe un peu?
gars. Merci. Hey, troisième combat à l'UFC, trois performances de suite. Deuxième KO à l'UFC Paris. J'espère que j'ai les 50K là, je sais pas encore. T'es patient. J'attends la fin de l'événement là pour voir. Félicitations mon frère. Merci mon gars. Ressenti ? Wouah ! Même moi je l'ai pas vu venir. Eh, c'était... C'est une phase tellement en fait je l'ai fait. C'est une folie. Wesh mais gros, la Marseillaise. La Marseillaise frère, les frissons gros. Thank you. Ta victoire. Tiens mon gamin, bois du Miranda. À la note. Je suis levé à 4h du matin à la fin dernier combat là. Voilà. J'étais young. Moi, j'étais en mode. Il y a des primes de 50 000 balles, donc je crois que j'ai commencé à m'entraîner. C'est un bien combattu. C'est-à-dire, je suis là, je suis venu, je viens d'Allemagne. Je viens de Roubaix Park. J'ai fait des attractions. Je suis venu en avance. KO, deuxième round. J'ai crié. Voilà. Carrément, j'ai quelques vidéos. Je criais trop aigu. Troisième bonus de suite. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Let's go! Let's go! Performance of the night! Envoyez la moula! Let's go! Dans le. Je l'avais dit si on me rabattait souvent, je l'avais dit! Voilà! Vas-y. Est-ce que tu te rappelles pendant la vidéo YouTube quand je t'ai parlé du crochet au foie? Ouais. Tu te rappelles ou pas? Ouais, ouais. Et regardez, le fight premier round, il a mis le même crochet au foie que je lui ai montré. Comme ça. Comment tu regardes sur la hanche là. Ok. Je fais ça comme ça. Ok, j'ai capté. L'ennemi a plus de souffle. Arrête, c'est long. C'est bon. Calme. Allez, voilà. Vas-y, fin. Non. Moi, je fais que si. À toi jouer. C'est toi qui donne le coup. Ah non. Non, c'est toi qui donne le coup, c'est pas lui. T'es coach. Moi, je suis pas joué mon wesh. T'entends raconter. Là, t'as plus de force. Ah, par contre, Morgan. Non, ça va. Morgan. T'es fatigué? Top. Prêt, frérot? Ah, mais les gars, doucement, moi, wesh, les gars, wesh, moi, je. Wesh. Et j'étais prêt, frérot? Non, y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. J'ai envie de beuge. Maintenant tu gardes le plastron toute la soirée. Pourquoi tu parles plus Totoche? Bon bah voilà, la soirée à Totoche elle est niquée maintenant. Je te jure, ça sera pas mon buzz, je vais faire comme si j'ai rien. Gros, j'attends que tu lâches une petite larme. Totoche, remets le plastron s'il te plaît, fais-moi qu'il vient. Non, toi t'es... Totoche, t'inquiète, after party, hôtel, soirée. Il vient, il se mange un crochet au foie. Laisse-le tranquille toi. Moi, ma question c'est quand tu regardes le fight après l'entraînement, enfin après les tonnes d'entraînement que vous avez fait et tout, c'est quoi? Il y a beaucoup de stress, d'appréhension. Est-ce que tu dis, j'espère il va faire ça ou pendant le combat? Ouais. J'ai envie de te dire que lui, il est formaté et moi, je suis formaté. Parce que le game plan, il est pensé en amont et quand nous on travaille ensemble, on est sur 3 ou 4 combinaisons qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète. Donc arrive un moment, je vois l'ouverture et. On va avoir un adversaire qui va te rentrer dessus, on le sait, on a travaillé, je recule, je désengage, tu vois, tout ça c'est pensé en amont, tu vois, avec les coachs, on discute, et tout est calculé en fait. C'est comme si, ouais, c'est une entité, en mode... Voilà, sauf que des fois, tu vois, bah, on peut pas tout prévoir, il y a des imprévus qui font que ça peut être compliqué de temps en temps, mais tu vois, là, ça s'est bien passé. Merci d'être venu, félicitations encore, les plaisirs. Bien joué, salut mec, à la prochaine. Je suis impressionné de vous. Tous les dimanches, les Jackson. Arrête, free promo. Bien sûr. Free promo, ma gueule. Free promo. Mais non, les gars, abonnez-vous chez Jackson tous les dimanches. Les gars, on est là. On a soutenu Morgan. Est-ce que je t'ai raconté ce que j'ai fait pour venir te voir? Non. Je vais tout dire. Didier. J'étais en Allemagne. Il y a 5 heures, j'étais en Allemagne. J'ai pris le train. Après, j'ai pris un vélo électrique pour arriver à l'heure pour le combat. Et j'ai pas été déçu. Donc, les gars. Vas-y, fais ta promo aussi, fais ta promo. C'est ma vidéo, mais fais ta promo. Bah du coup, fin de la vidéo les gars, j'espère que ça vous a plu. Peut-être le retour de la série, le retour des vidéos, je sais pas encore. On en fera quand ça nous plaît.
Là, j'essaie de vous faire ma petite semaine. Un peu, vous avez même la chance. Vous avez eu l'after parce qu'il y a Mouyou qui est là déterminé avec la caméra. Donc, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, follow sur Insta, tout ça. Et l'histoire continue. Hein.